Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui dans notre épisode de Board Games 1, on va regarder une toute petite boîte, le jeu The Blood of an Englishman, qui a été publié en 2016 par Renegade Game Studio. Ça vient du concepteur Dan Kassar. C'est un jeu qui joue uniquement à deux joueurs et qui dure environ de 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être différent selon le personnage que vous incarnez. Donc si on voit ici la boîte, donc ça représente la légende de Jack et le haricot magique. Donc un des joueurs va incarner Jack et l'autre le géant. Donc il va avoir des buts différents. Donc Jack va essayer de voler les trois trésors et le géant lui va essayer d'attraper Jack en épelant son nom avec des cartes pour pouvoir l'emporter. C'est un jeu avec un système de points d'action, donc les joueurs ont un certain nombre de points d'action à utiliser à leur retour et ils peuvent faire certaines actions là, avec ces points-là. Et c'est un jeu qui est asymétrique, donc celui qui joue géant ou celui qui joue Jack n'aura pas accès aux mêmes actions à son tour de jeu. Donc un petit jeu pour deux joueurs seulement, donc The Blood of an Englishman. Je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. The Blood of an Englishman est un jeu qui se joue uniquement avec des cartes. Le but du jeu pour le géant va être d'épeler son nom, donc Fi-Fi-Faux-Feu. Il doit placer les quatre syllabes de son nom soit dans la même colonne ou les mettre au début de chacune des rangées pour l'emporter. Dans le paquet de cartes, on retrouve chacune des syllabes deux fois. Et du côté de Jack, lui, il doit obtenir les trois trésors, donc le sac d'or, la harpe et l'oie qui pond des œufs en or. Chaque carte de trésor est là deux fois dans le paquet. Et toutes les autres cartes sont les pousses de tiges de haricots qui sont numérotées de 1 à 9. Et on retrouve chaque chiffre de haricots quatre fois dans le paquet de cartes. Pour le placement initial, on va tout d'abord mélanger toutes les cartes du paquet ensemble. Et ensuite, on va disposer de façon aléatoire les cartes sur la table, de façon à faire 5 colonnes de cartes. Et on va, dans le fond, placer toutes les cartes du paquet. Donc, on a 50 cartes au total. Ça va nous faire 5 colonnes de 10 cartes chacune. Et dans le fond, il va y avoir toutes les cartes qu'on vient de voir. Donc, les tiges de haricots qui sont numérotées de 1 à 9, qui sont 4 fois chacune. Les syllabes pour le géant qui va essayer d'épeler son nom pour l'emporter qui sont deux fois chacune. Et finalement, les trois trésors que Jack doit essayer de capturer pour remporter la partie. Donc on a l'oie, la harpe et le pot d'or. Pour terminer la mise en place, une fois qu'on a nos 5 colonnes de cartes, le joueur qui joue Jack va pouvoir choisir n'importe quelle carte et la placer n'importe où dans le jeu. Donc on recommande évidemment pour la première partie de prendre une des cartes du géant qui est probablement dans la première colonne et d'aller la placer dans le derrière d'une des colonnes pour qu'elle soit moins accessible pour le joueur qui joue le géant. Une fois que Jack a fait ce changement-là, on est prêt à commencer la partie. On va donner à chacun des joueurs des petites cartes aide-mémoire avec les différentes actions que peuvent faire Jack et le géant pendant la partie. Donc on a une carte pour Jack, une carte pour le géant. On a les deux cartes pour les deux joueurs. Donc l'autre joueur va toujours savoir un petit peu ce que l'autre est capable de faire dans son tour de jeu. Donc on va remettre ces cartes-là à chacun des joueurs. Et ensuite, on est prêt à commencer la partie avec le joueur qui joue Jack. Le joueur qui joue Jack possède 3 points d'action pendant son tour de jeu. Il peut faire la même action plusieurs fois dans le même tour de jeu et il va avoir un choix parmi 4 actions différentes. La première action que Jack peut effectuer, c'est de prendre la première carte d'une colonne et de l'envoyer sur la première carte d'une autre colonne. Il pourrait aussi prendre une carte de géant et l'envoyer sur une autre colonne comme ceci. Deuxième action que Jack peut effectuer dans son tour de jeu, c'est prendre la dernière carte d'une colonne et de l'amener dans le devant de cette même colonne. Donc on ne peut pas prendre une carte de derrière et l'envoyer dans le devant d'une des autres colonnes, donc il faut que ce soit dans la même colonne. La troisième et la quatrième action que Jack va pouvoir faire, c'est les actions qui vont lui permettre éventuellement d'aller chercher les différents trésors pour remporter la partie. Donc Jack va aller chercher l'oie, la harpe et le sac d'or. Et pour ce faire, il doit aller grimper dans un haricot qu'il va devoir faire pousser avec les différentes cartes de tige qui sont numérotées de 1 à 9. Alors, troisième action que Jack peut faire, c'est de prendre la première carte d'une des colonnes et d'aller la placer dans son paquet de tiges de haricots pour dire qu'il commence à grimper ici.
Donc, il doit évidemment jouer les cartes les plus petites possibles, parce que chacune des cartes suivantes qui va être placée sur sa pile de haricots doit être d'une valeur plus élevée. Alors, plus on commence avec des plus petits chiffres, plus ça va être facile de continuer par la suite. On n'est pas obligé de faire une suite adjacente, donc on pourrait sauter des numéros, et il faut se rendre à un paquet de haricots de 6 cartes pour pouvoir en aller ensuite réclamer un des trésors et le placer sur une pile de haricots pour dire qu'on a réclamé ce trésor. Si Jack réussit à faire ça avec les 3 trésors, il va remporter la partie. Donc, Jack peut seulement avoir une pile de haricots à la fois. Donc, il doit la terminer, réclamer un trésor, et ensuite, on va la défausser, on va commencer une nouvelle pile de haricots, se rendre à 6 cartes, réclamer un deuxième trésor, et continuer comme ça. Lorsque Jack a cette première carte qui est ici, il pourrait ensuite, avec une autre action, par exemple, aller chercher le 2, le rajouter sur sa pile de haricots. Dans un tour suivant, il pourrait aller chercher le 3. Et finalement, continuer comme ça, il pourrait tasser ça ici, aller chercher le 5 dans un tour suivant. Ensuite, il pourrait faire sa quatrième action qu'il peut faire, c'est d'aller prendre la dernière carte d'une colonne et de l'ajouter à sa pile de haricots. Donc, on a le 6 qui est là. Et on pourrait finir avec le 8. Donc, on a ici nos 6 cartes et on a placé l'ordre grandissant des nombres pour pouvoir faire sa pile de haricots. Lorsque la pile de haricots est complétée, on peut aller réclamer un trésor. Donc, on peut tout simplement aller chercher un trésor s'il est là sur la première carte d'une des piles et le placer sur sa pile de haricots, ou d'aller chercher un trésor qui est sur la dernière carte d'une des piles et le placer sur sa pile de haricots comme ça. Et là, Jack aurait réclamé l'oie, donc on pourrait défausser cette pile-là. Donc, il lui resterait seulement à aller chercher l'or et aller chercher la harpe pour l'emporter. Pour le joueur qui joue le géant, il possède seulement une action par tour, mais c'est des actions qui ont plus de répercussions sur la partie. Donc, la première action qu'il peut faire à son tour, c'est de prendre n'importe quelle carte de tige à haricots qui est numérotée dans le plateau et la défausser, l'enlever de la partie. Donc, il pourrait prendre la tige qui est numérotée 7 ici et l'enlever de la partie. Tout simplement, on la défausse. Ça lui permet de rapprocher ses cartes pour se rapprocher de son objectif de victoire. Et ça peut aussi bloquer le joueur qui joue Jack, donc quand il essaie de faire ses suites numériques de haricots pour aller réclamer les trésors. Donc, si on lui enlève des gros chiffres ou des petits chiffres, ça peut être plus compliqué de faire ces différentes séries. Deuxième action que le géant peut faire à son tour, c'est de déplacer les 4 premières cartes d'une colonne. Donc, il prend les 4 premières cartes d'une colonne en un seul paquet et va aller les placer sur le devant d'une autre colonne, tout simplement. Donc, ça aussi, ça peut lui permettre de dégager ses cartes pour se rapprocher de son objectif de victoire. Et finalement, la dernière action qu'il peut faire, c'est 2 déplacements. En prenant la première carte d'une colonne et en l'envoyant sur une autre colonne, il peut faire cette action 2 fois. Donc, pour remporter la partie, le géant a 2 possibilités. Donc, comme j'essaie de faire ici, on essaie de ramasser nos différentes cartes pour épeler le nom. Donc, il faut que mes 4 cartes soient adjacentes une à côté de l'autre. Donc, ici, il manquerait le Phi. Donc, avec le temps, là, je pourrais aller déplacer les 4 qui sont ici pour essayer de libérer lui. Un autre tour, je pourrais enlever le haricot qui est là. Et éventuellement essayer d'amener le Phi qui est là. Donc, si les 4 syllabes du nom se retrouvent dans la même colonne et sont collés les 4 ensemble, le géant gagne automatiquement la partie. L'autre possibilité, si pendant la partie, les 4 syllabes différentes du nom se retrouvent sur le devant de 4 colonnes, le géant gagne la partie. Et c'est pas obligé d'être 4 colonnes consécutives, donc ça pourrait être placé comme ça. Comme les 4 syllabes se retrouvent devant des colonnes, le géant remporterait la partie. Si le joueur qui joue Jack, éventuellement, il va avoir de moins en moins de cartes, plus la partie avance, parce que Jack va prendre des haricots pour faire ses piles de haricots et grimper pour aller chercher les trésors. Donc, si à un moment donné, Jack n'est plus capable de compléter sa dernière série de haricots parce qu'il ne reste pas assez de cartes pour faire ses combinaisons dans l'ordre numérique, à ce moment-là, le géant va aussi remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Blood of an Englishman. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de The Blood of an Englishman? Donc, c'est un petit jeu de cartes. Donc, les composantes, on a seulement un paquet de cartes, tout simplement. La boîte est toute petite. Les cartes sont de bonne qualité, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est un jeu, bon, que les cartes sont étalées. Oui, on les déplace un petit peu, mais on les a pas tant que ça dans nos mains.
Je pense que c'est un jeu aussi, vu que les cartes sont toutes une par-dessus l'autre, c'est pas nécessairement une bonne idée de mettre des plastiques pour essayer de protéger les cartes, parce que quand on va les déplacer, là, ça va tout coller un après l'autre, ça va être un peu fatigant là, à déplacer comme ça, ce sera pas trop agréable à jouer, donc je vous conseille de le laisser comme ça. Pour le côté artistique, les dessins c'est super beau, donc la boîte, vous voyez, c'est super beau, le géant est vraiment cool aussi, les trésors c'est bien. C'est sûr que les haricots c'est un peu redondant là, de voir des grosses tiges d'haricots sur des cartes avec des numéros. Les dessins sont un peu différents, mais tu sais, c'est pas nécessairement très joli à ce moment-là pour ces cartes-là. Mais pour le reste, là, c'est très bien. Une belle petite production. Niveau complexité du jeu, donc c'est vraiment simple. Donc qu'on joue Jack, qu'on joue le géant, on a 3-4 actions qu'on choisit, qu'on peut faire dans notre tour de jeu. L'objectif de victoire est aussi très simple, très facile. C'est un jeu qui peut sembler un peu débalancé quand on commence une première partie. On dirait que Jack va avoir l'avantage énormément. Et là, plus la partie avance, plus on se rend compte que oh, là, il y a pas mal moins de cartes qu'au début. Puis le géant, plus la partie avance, plus pour lui ça va être facile. Donc à un moment donné, il faut que Jack se concentre, essayer de contrer le géant, puis vice-versa. Si Jack est trop proche de la victoire, le géant va essayer de tuer des cartes d'haricots ou de déplacer, essayer de cacher ses trésors pour l'empêcher de gagner la victoire. Donc c'est vraiment un jeu là, de jouer au chat et la souris. On regarde ce que l'autre fait, on réagit et ainsi de suite. Donc ça s'apprend vraiment très bien pour à peu près n'importe qui. C'est pas plus complexe là, que de jouer une partie là, d'échecs. C'est un jeu qui est seulement à deux joueurs, ça joue super rapidement, ils disent une demi-heure, mais c'est plus 15-20 minutes, puis c'est sûr que c'est fini. Ce genre de jeu que souvent on va jouer une partie, hein, ok, ben on en joue une autre, on échange les rôles pour faire différent. Fait qu'on joue chacun un rôle un à la fois, puis on se fait deux parties rapidement. Donc ça peut servir de petit filler là, pour commencer une soirée. Ou si jamais ben, on est juste deux à jouer à des jeux, ben ça peut être un bon petit jeu à deux là, qui va s'introduire dans notre soirée. Pour la rejouabilité, je pense que c'est sa faiblesse. C'est un jeu que d'une partie à une autre, toutes les parties sont pareilles. Donc c'est un jeu qui est très abstrait aussi. On déplace des cartes, on essaye de placer nos cartes pour le géant pour gagner. Jack, on ramasse des cartes puis on ramasse les trésors éventuellement. Donc c'est vraiment très abstrait. Donc oui, on a mis une belle petite thématique avec Jack et l'haricot magique. Mais ça reste vraiment un jeu abstrait à la base, donc je pense que si vous êtes des amateurs de jeux abstraits, c'est le genre de jeu que vous allez apprécier. C'est pas nécessairement un style de jeu que je joue beaucoup, que j'apprécie énormément, donc je trouve que c'est des jeux qu'on peut se tanner vite un petit peu. Donc ça me prend un petit peu plus de viande là, autour de l'os, un petit peu plus de thématique aussi pour me faire embarquer dans un jeu habituellement. Donc c'est pas nécessairement des jeux que je cours après, les jeux abstraits. Ça me fait beaucoup penser à une partie de Santorini. Donc on a fait dernièrement là, sur la chaîne que LP vous a montré, qui est un jeu abstrait aussi, où on promène des travailleurs, on construit des bâtiments, on essaie d'amener un personnage au troisième étage. Donc on est toujours en train de regarder l'autre ce qu'il fait, on est toujours en train de réagir, d'aller le bloquer, et c'est un peu le même feeling que j'ai dans le jeu là. Son désavantage à Blood of the Englishman, c'est que toutes les parties sont pareilles. Donc, il n'y a pas aucune différence d'une partie à une autre, à part le placement initial. Et des fois, qui peut avantager plus un ou l'autre, parce que c'est vraiment de façon aléatoire. C'est comme si on jouait à Santorini, mais qu'on jouait seulement avec la version de base, puis qu'on mettait pas les cartes de Dieu qui nous donnent des pouvoirs. Donc, c'est un peu pas le défaut de ce jeu-là. C'est que qu'on joue le géant, qu'on joue Jack à chacune des parties, c'est la même chose. On a toujours un choix quand même très limité de ce qu'on peut faire dans les parties. Donc, je sais pas s'il aurait pu ajouter des petits pouvoirs sur certaines cartes de haricots ou certaines choses que Jack, s'il fait un combo en faisant une suite numérique, ça lui donne quelque chose. Puis le géant, quand il fait telle chose, ça pourrait peut-être pu donner un petit bonus. Donc, je sais pas, il aurait peut-être pu rajouter des petites règles là, pour donner un petit peu plus de saveur, des petites variantes qu'on peut mettre justement quand on commence à être tanné du jeu de base, qu'on a joué plusieurs parties, puis qu'on aurait le goût de continuer à découvrir ce jeu-là, mais en ajoutant des petites variantes. Fait que je pense que c'est quelque chose qui manque dans ce jeu-là. Pour mon appréciation de The Blood of the Englishman, je vais lui donner une note de C. Donc c'est un jeu qui est bien, je pense que ça peut être divertissant. Un petit jeu à deux joueurs qui joue vite aussi, donc qui peut être agréable. Mais je pense qu'au final, c'est un jeu qu'on va stanner quand même rapidement. Donc il aurait dû rattraper un petit peu sur la rejouabilité, essayer de racheter des petites variantes ou des petites choses pour justement donner un petit peu plus de vie à ce jeu-là. Mais si vous êtes des amateurs de jeux abstraits, moi je vous conseille d'essayer ce jeu-là. Je pense que vous allez l'apprécier.
C'est un jeu qui est un petit jeu de cartes, donc qui coûte pas très cher, donc coûte 13-14$ environ. Puis c'est un jeu que vous avez vu, il n'y a pas de texte là, sur les cartes, donc on peut l'acheter même en anglais, il n'y a pas de problème. C'est un jeu qui est dans le fond qui est pas dépendant de la langue parce qu'on n'a pas de texte sur les cartes. Donc dès que vous avez vu cette vidéo-là, vous savez comment jouer, ben, vous pouvez aller vous l'acheter même si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous ne suivez pas encore la chaîne, vous pouvez vous abonner avec le petit bonhomme ici dans le coin en bas. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi aller nous visiter sur passionboardgame.com, notre nouveau site web qu'on a lancé dans les dernières semaines. On a beaucoup de contenu, là, vous pouvez aller voir ça là-dessus. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.